Bonsoir, bienvenue, vous regardez Quotidien Express, le concentré de quotidien que vous retrouvez tous les soirs sur TMC, sur le canal 10 de la TNT. Le quiz du jour est simple, qui se cache derrière cette porte ? Mais mon Dieu, mais qui est cette personne ? C'est le quiz du jour. Alors je vous vois venir, non, ça n'est pas Laurent Wauquiez, c'est notre préféré Céline Dion. Ah mince, il y avait une caméra, je n'avais pas vu. Belle Céline est de retour en promotion, sujet à interview ce week-end sur la chaîne CBS américaine où on retrouve une Céline taquine. Superstar Céline Dion is in a playful mood. Oh, quelle chippie celle-là, elle met de la laque sur la caméra, je crois qu'on va aimer ce sujet coulisses. Déjà pour Céline, hein, qui est chippie comme jamais. She doesn't take herself too seriously. Peanut butter jelly with a baseball bat. Quelle chippie, qui chante comme jamais, tout le temps. Et en interview arrive le moment où il faut en parler. The man that I love, the only man that I kissed, the only man that I loved, yeah. The only man you've kissed? Alors le journaliste est totalement bouleversé par cette info. You're still so young. I love him. I'm still in love with him. Right. Ce à quoi elle ajoute. And I go to bed with him. And I come on stage with him. Je vais au lit avec lui et je vais sur scène avec lui. Sauf que quand elle dit ça, on ne se doute pas une seconde qu'elle dit ça au premier degré. Et donc voici la séquence What the fuck du jour. Which is why each night, before Celine Dion goes on stage, for good luck, she knocks on wood, right below this cast of her late husband's hand. Ils ont moulé des parties du corps de René, ici en l'occurrence la main. J'imagine pas ce qu'ils ont moulé dans le lit. Vous regardez Q Express, c'est le concentré de quotidien, l'intégralité de quotidien, c'est tous les soirs sur TMC, sur le canal 10 de la TNT, à 19h10. Là, il y a la musique. À demain, sur les... Hier, on avait montré que la présidente du FN était abonnée à plein de comptes ouvertement racistes et islamophobes, comme par exemple celui de Jean Bonneau, qui disait « habiter dans le cul d'un islamiste, il voulait faire le ménage chez nous ». Mais il y avait aussi Gwen, un compte anonyme avec une photo où l'on peut lire « race blanche en danger ».